fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir, le capitaine Flamme. Je me présente, je suis le capitaine Flamme, le sauveur de Mégara. Le gouvernement intersidéral m'appelle quand un danger menace la Terre. Je suis son seul espoir pour sauver la galaxie. Quand j'étais enfant, mes parents furent assassinés. Craig et Mala m'ont aidé. Ils m'ont tout appris. Les lois n'ont plus de secret pour moi. À leur côté, je combats l'injustice. Le cerveau du professeur Simon est préservé dans une machine qui se régénère toute seule. C'est un robot vivant, grand savant qui résout tous les énigmes. Et le cybernable est mon vaisseau. Il m'entraîne jusqu'au fin fond de la galaxie pour traverser l'endroit de l'espace. Regarde la caméra se tenir. Le cosmolème le pourchassera sans répit. Kraken est un robot de 2 mètres. Mala est un androïde, capable de prendre n'importe quelle apparence. Il ne s'arrête pas de se chamailler, rien ne leur fait peur. Et le cybernable est mon vaisseau. Il m'entraîne jusqu'au fin fond de la galaxie pour terrasser l'emport de l'espace. Rakan n'a qu'à bien se tenir, le cosmolène le pourchassera sans répit. N'oublions pas la douce Joanne. Comme Esla, elle fait partie de la police intersidérale. Et le petit Kay qui prend exemple sur son idole, le capitaine Flamme. Et le Sivalak est le vaisseau qui m'entraîne jusqu'au fin fond de la galaxie pour terrasser l'emport de l'espace. Rakan n'a qu'à bien se tenir, le cosmolène le pourchassera sans répit.